sur la place Saint-Pierre au Vatican. C'était magnifique. Magnifique. On est arrivé hier soir, on a l'hôtel Aroma qui est un hôtel magnifique aussi. Je pense que je vais beaucoup dire magnifique cette semaine. Et l'hôtel très très bien. Et là, franchement, j'ai été bluffée par la beauté de tout ce qu'il y a au Vatican, quoi. Et toi? Ouais. Tout pareil. Tout pareil, pareil. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? L'hôtel. L'hôtel, c'est bien. Le manger, c'était bien. Les meilleures pâtes, évidemment. Si vous avez peut-être déjà mangé de très bonnes pâtes, mais si vous n'avez pas mangé de pâtes en Italie, vous ne connaissez rien, je vous promets. S'il y a le miel. Ouais. Voilà. Et quoi d'autre au Vatican, t'as aimé quoi? Ça. Voilà. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Mais un gros coup de cœur pour... comment ça s'appelle? La chapelle Sixty, qui est waouh. Waouh. Comment le gars, Michel-Ange, a pu faire ça? Faut venir pour comprendre. C'est vraiment mon gros coup de cœur de la matinée. C'est très très beau, faut venir vraiment, même si vous n'êtes pas croyant, juste pour la beauté du site, faut venir. Là on va aller manger des pâtes, je crois, boire du vin évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, voilà, on l'a placé, et je vous montre ce qu'on visite en Italie, à Rome. Bisous.
Je suis de retour. Alors, je suis en vacances, mais pas que. Donc hier, on a profité de la ville. On a visité Rome, c'était super beau. En plus, on a de la chance parce que le beau temps est avec nous. Mais cette ville est magnifique. Vraiment, si vous aimez les belles architectures, si vous aimez l'histoire de manière générale, c'est une ville à visiter. Aujourd'hui, changement de décor, changement de lieu, changement de lieu. On est toujours à Rome, mais on est au Rome Fest de Rome, justement. J'y étais au mois de mai pour celui d'Amsterdam, comme vous avez pu le voir si vous me suivez depuis quelques temps sur mes réseaux sociaux. Il y a une vidéo d'ailleurs où j'en parle sur YouTube. Aujourd'hui, ça se passe à Rome. Le principe est le même. Des Roms du monde entier se donnent rendez-vous pour fêter Rome, simplement, pour faire découvrir aux amateurs et aux professionnels les nouveautés ou ce qu'est le Rome, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous, on représente les Roms agricoles, c'est-à-dire les Roms Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et je suis trop fière, comme vous le savez, comme je le répète à chaque fois, de représenter nos îles, nos petites îles, qui font un travail juste merveilleux au niveau du Rome agricole. On est les meilleurs dans le monde au niveau Rome, et c'est une grande fierté. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça en images pendant les deux jours de salon, et j'espère que vous apprécierez, que vous découvrirez un petit peu cet univers du Rome et de la fête. Bisous. Un petit peu de... Ça, c'est un peu noir. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? On n'est plus au Japon là. Ah pardon. On est en Italie. Très bien. Dernier jour. Faisons comme ça. Dernier jour à Rome. Oh. Comment se sont passés les deux derniers jours? Très bien. Le Rome Fest. Très bien. Tu peux faire des phrases? C'était très bien. Tu me fatigues, c'est bon, je vais parler. Bon, un petit peu plus de phrases, de mots. Mais viens pas dans ma vidéo si tu veux pas parler. Ah, pardon. Donc, deux jours. Tu me fatigues. Deux jours de Rome Fest. Ah, la lumière est plus sympa. Voilà. Deux jours de Rome Fest. Super intéressant. Dimanche, il y avait beaucoup plus de familles, de novices, on va dire. Et lundi, c'était une journée destinée aux professionnels, barman,
personnes travaillant dans des restaurants, des bars aussi, pas forcément des barman, des... Donc on est resté à l'hôtel ces deux jours et hier soir on a été manger dans une trattoria. Trattoria, c'est un petit resto. Ouais, vas-y, arrête de te la raconter là avec ton accent. Et c'est un petit resto familial en fait où on mange comme à la maison. C'était excellent. J'ai pas filmé parce qu'on avait vraiment envie de profiter du moment. En plus, on était avec des collègues de l'île Maurice, avec qui on a passé un très très bon moment. On a terminé la soirée dans un bar. C'était quoi le bar? Avec tes bêtises là. Banana République. Banana République, super sympa. Si vous passez à Rome et que vous voulez boire de très bons cocktails. Et que vous voulez boire de très très bons cocktails. Vous pouvez aller au Banana République. Là, on est dans la partie shopping de la ville qui s'appelle. Ok, merci de ton intervention. La place d'Espagne. Voilà, on va faire un petit peu de shopping avant de partir. Et on vous montre encore un petit peu de la ville. J'espère que ça vous donnera envie de venir. Nous, on a vraiment kiffé. La ville est magnifique, les gens sont super cool. On a vécu une très belle expérience. En tout cas, moi, c'était la première fois. Donc, très heureuse. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Mouah. Ha 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 ha.